gauche, 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 droite, droite, gauche, droite. Garde. Repos. J'ai jamais vu un ramassis de tarés pareil. Et c'est avec ça que je vais être obligé de faire quoi? La guerre. On est foutus. Ça te fait rire, couille de l'eau? Ah bon, sinon je peux t'y mettre Bourville. Diapo! C'est la Pauritanie. Un tas d'îles sans intérêt perdues au milieu de rien. Alors, pourquoi on y va? Parce qu'elle regorge de truffes. Vos coins qu'une oursin. La truffe, c'est la force du port. Qui contrôle la truffe, contrôle le monde. Ça veut dire quoi? Rien, c'est débile. C'est pas débile, c'est la guerre. Un soldat, c'est fait pour faire la guerre. Pour avoir des truffes. Pour avoir la plus grosse. Pour être... Mais on s'égare. Voilà, nous allons regarder ensemble des petits films très bien fichus pour mieux comprendre les enjeux de cette guerre. Et de top, Magneto. Les armées ennemies sont en marche. Elles avancent insidieuses sur terre, sur mer et dans les airs. Alors lève-toi, vaillant pourceau. Ta patrie a besoin de ton boudin. Car c'est à l'arrière que se préparent les combats de l'avant. Nos vaillants ports ont besoin de bombes, de plus en plus de bombes, pour anéantir l'envahisseur odieux qui de nos truies veut faire ses compagnes. Souviens-toi, vaillant pourceau, que l'avant-garde est à l'arrière et que devant se gagne derrière. Et que surtout, si on veut des truffes, faut se bouger les tétines. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour jouer au cochon de guerre avec, une fois n'est pas coutume, Goodstone. Donc salut Goodstone. Salut Kim, salut à tous. Alors attends, je suis super fort, je vais rebaisser un tout petit peu le son, voilà, hop. Donc c'est parti, je te laisse contrôler les jeux, on va faire un parti en multijoueur. D'accord. Donc vas-y, comme d'habitude, on va faire... Une IA ou pas? Bah à la limite, laisse une IA, ouais, ça peut... Oh non, je t'en vote, on va faire à deux, et après on fera une IA. Ouais. D'accord. Plus on est des fous, plus on rit. Voilà, exactement. donc du coup, on a prévu de faire 3 maps à peu près, 3 parties. Voilà, bah vas-y, tu veux commencer par laquelle? Par une map... quel type? Allez, une map pas trop difficile quand même. Comme la coulée de glace. Ah oui, la coulée de glace, elle est connue, ça. Alors du coup, vas-y, prends ton équipe. Tu peux renommer ton équipe si tu veux d'ailleurs, hein, si tu veux garder. On peut changer les grades du coup, on peut pas mettre plus haut que parachutiste en fait. Non, y a pas de grade. Non, grade... ce sont tous des grades standards en mode multijoueur. Et ouais, il faut hacker le genre en fait pour pouvoir avoir des grades plus haut, c'est ça? Oui. C'est ça, mais les trois quarts du temps ça plante. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu un mec sur le type bon, j'ai un mec en Ace en multijoueur. Ouais, mais ça c'est sur PC, je pense. D'accord. Donc tu prends un laisser du grade tel quel. Vas-y, je te laisse le choix. Alors moi je suis pas changé, faut que je choisisse ma place. Donc du coup, Bah je vais prendre les japonais, tiens. Allez, vas-y. Voilà. D'accord. En plus, les grades, je les laisse. Ouais, laisse les mêmes grades. En tout cas, c'est super raciste dès le début, c'est magnifique. Un sushi, évidemment. Hein. Voilà, tout va bien. c'est parti, vas-y, continue. Sachez que les Banzai Pants ont été remplacés par une équipe italienne dans la version italienne, justement. Tu as testé du coup cette version? Jamais, non. J'ai simplement vu sur quelques vidéos. D'accord. Et ouais, ça serait marrant de voir les noms qu'ils ont donnés aussi, parce que... Donc du coup, ça va être en mode commencer, si tout se passe bien. C'est ça. Ok, donc c'est parti. Donc on est un contre un. Donc là, c'est en deathmatch ou on est en mode survivant, par contre? Le mode survivant. Survivor, ok, d'accord, donc là, ok. Bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah, c'est un petit peu un Worms 3D avant l'heure, hein, de cette manière. Le but, c'est donc de d'éliminer son adversaire avec des armes diverses et variées, et du coup, on a 45 secondes par tour, en tout cas dans cette partie-là. Viens, t'es égaré sur lui, quoi.
Très bien. Alors, je pense qu'il y aurait une caisse dans la maison, mais je suis pas allé la chercher. Toi, tête de piaf. Oui, oui, ça, j'arrive. J'en doute, hein. Bon. Bière, à ma bite. En plus, c'est fail. Ça commence bien. Et j'aime gagner. Ouais. Et donc, du ah, coup. J'ai une petite latence. Ah, du coup, t'es à combien là? T'es à combien de secondes? Enfin, les FS, j'ai rien à dire, mais je suis un peu en retard, on va dire. Ouais, mais t'es à combien de secondes? Presque 3-4 secondes. D'accord. Et donc du coup, ouais, du coup, je peux, tu as le même question qu'on a posé en off, mais je vais te la poser en premier. C'est quoi qui fait que t'aimes bien ce jeu? Parce que concrètement, bon, c'est un jeu qui est quand même pas mal vieilli, et qui est quand même particulier. Enfin, ils en ont pas fait de nouveau depuis, hein, donc... j'ai pas qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu. Bah, c'est surtout le doublage des guignols, quoi. Qui m'a vraiment... qui m'a fait rire, quoi, la première fois que j'ai joué. D'accord. Après, à part ça, c'est un jeu plutôt correct et sans plus, quoi. Et c'est un jeu qu'on t'avait offert ou que tu avais acheté toi-même? Parce que le jeu est sorti en 99, si je me souviens bien. Alors en fait, non. C'est, on ne l'avait pas vraiment offert ni acheté, mais c'est grâce à mon oncle qui m'avait laissé jouer justement à ce jeu. D'accord. Et après ça, quelques années plus tard, il m'a donné le jeu. Hiroshima, mon amour. Alors on va tester le l'arme le plus difficile à manier, LOL. Et finalement, ça c'est plutôt le plus difficile. Bah, je trouve, hein, parce que franchement, pour gérer le mortier, savoir exactement où il faut tirer, savoir où ça va arriver, c'est un peu. Enfin, c'est chaud, quoi. Tu t'es bien débrouillé, je trouve. Ouais, mais c'est un peu random, j'étais quand même un petit peu large. D'accord, et c'est quoi? Et si par exemple, si tu devais. Je sais pas, peut-être pas si t'as joué à Worms 3D, justement. J'ai pas vraiment joué à Worms 3D, seulement une ou deux fois. D'accord, ok. Parce que là, par exemple, bon, si on compare à Worms 3D, même si le jeu est sorti plus tard, bon, t'as pas de déformation de... T'as pas de... Le décor se détruit pas, par exemple. Enfin, à part quelques éléments, mais je veux dire, le terrain bouge pas. Oh, je suis pas du tout loin, là. Désolé pour mon niveau plus casque consternant. Hey. Ah d'accord, ok. Bon, bah... Ouais, tu tombes sur une mine... Ouais, une mine bien placée, quoi. Le tour est fini. Et donc, ouais, je sais pas ce que je veux dire. Non, mais voilà, bon, après, c'est un jeu autour porto, j'aurais compris. Il faut se mettre sur la gueule. Ouais, la particularité, c'est qu'on incarne des cochons, tout simplement. Et bon, l'histoire, je pense que vous avez suffisamment vu si vous suivez, Gouston sur YouTube. Il va falloir envahir toute la Pauritanie. Et du coup, bah, récupérer toutes les truffes. C'est un truc que je trouvais pas mal dans le mode multijoueur, c'est vraiment les systèmes de médailles en fait, parce que ça donne presque un New Game Plus. Enfin, dans les dés, il faut les avoir dès le début, mais quand on le connaît pas, en général, on se fait avoir en fin de partie, parce qu'on n'a pas des. On n'a pas des cochons très évolués. Et on se demande pourquoi, et en fait, bah, comme on loupe pas mal de médailles quand on recommence une deuxième fois une mode carrière. Bah, ça fait d'autres quêtes à faire pendant l'émission en fait. Ah mince. Ah t'es placé sur le... Ouais. Là je me demande si la première fois que j'ai pas joué à ce jeu c'était sur cette map. Et voilà, je persécute à mon tour. Ouais bien. Ah tu vas me couler là. Non c'est bon. Ah mon avis je crois que je vais en plus il va... Il bouge sa vie là. Il a attrapé le coronavirus. Donc... Alors. Coronavirus. Alors, du coup. Bon, t'as toujours des bébés au milieu, donc, du coup, on va peut-être en profiter. Non. C'est parti à la flotte. C'est dommage, on va retenter du coup ici. Voilà. La tête, et en plus, je tombe dans l'eau, c'est magnifique, on va récupérer la petite arme. Bon, Lance Rocket, c'est pas ce qui fait énormément de dégâts, mais bon, c'est pas intéressant. Bouge, bouge, bouge. Bon, on va aller tout droit, je sais plus comment on gère, donc on va faire tout droit. Tu peux viser, je crois, ouais. Ouais, mais j'ai complètement oublié. J'ai appuyé sur R1, il s'est rien passé, alors du coup, j'ai laissé tomber. Vas-y.
Alors je sais pas si le jeu a vraiment eu succès par contre, parce que bon, tu connais le jeu, bon, pas mal de gens connaissent le jeu, mais pas tant que ça en fait, hein, donc... Ouf, un petit succès je pense. Bon, c'est sûr, c'est pas du Crash Bandicoot, du Grand Tourisme. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Là, en termes de vente... J'adore les valeurs technologiques. 34, maintenant tu m'achèves pas. On est quasiment pile hein, au niveau de la barre en haut, c'est le, la vie de chaque type. On quasiment kiff. Alors. J'ai envie d'aller chercher là-bas. Mais évidemment, je vais rien avoir rien pour ça. Bon, on va finir lui. On bute l'autre. Autant il va mourir, donc tant pire, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. on va l'achever quoi. Voilà, terminé. Hirohito est mort pour la deuxième fois. Ah oh, mince. Bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Bon, de toute façon là, en termes de d'équivalence de l'équipe, on est pratiquement pareil. Il y a encore pas mal de possibilités. Ça manque un petit peu de caisses et d'armes là, c'est un petit peu dommage sur cette map. Ouais mais bon. Ça passe encore je trouve, comparé à plein d'autres. Est-ce que j'arrive à le viser à toi? Ah mais là tu... Je prends mon temps. Là tu me tues en une fois, hein, complètement. Je crois que ça fait 45 ici le bazooka ou 40? 40. 40, ouais. Par contre, il y a... t'as pris 19 dégâts à côté, avec le... C'est rien, c'est rien. C'est juste un baril qui a explosé. Et tant qu'il est encore entier. Et celui qui n'insiste pas. Toi, t'as un mec qui est planqué au fond, là. Pour le moment, on va... Ah bon bah... Ouais, j'ai l'air c'est tout vu, mais c'est pas des mines, donc ça marchera pas. Attends, je suis un petit peu en retard de 4-5 secondes. Ah. Alors, on peut sauter. On peut sauter. On va essayer de l'envoyer... Bon, on peut faire un peu comme les Worms, hein, finalement. Utiliser un petit peu le... Et à partir trop loin. Bah voilà. Voilà. Tu vas peut-être prendre des dégâts de... Non, même pas. J'y crois pas. Non, non, non. Les jaunes savent se battre. Je me suis fait dépigmenter. Bon, bah, allez hop. Ah, ça va, t'es revenu. J'allais dire, t'es pile au bon moment. Ah, par contre, t'es plein de vie là. 5, 15. Ouais, le lance-grenade, il sera pas grand-chose. Hein. Alors, 2 secondes. Ah, oui, non, c'est bon, je crois que j'ai fini mes tirs. Parfait, vas-y. Attends. J'essaie de prendre mon temps. Grenade Schnapple. Face, c'est loin. Non, ah ouais, oui. Mais t'es... Ouais, t'aurais dû appuyer en fait. Ok. Bon, bah nous deux. On va aller chercher... On va aller chercher. Non, bonjour. Par contre, je pense qu'il doit y avoir des mines sur le trajet. Oui. C'est ah. Noté en rouge sur la carte. Ouais, mais normalement, j'aurais pas en avoir. Hein. Je suis au bord. Voilà, ah oui, ce que j'allais dire, je sens que ça... En plus, voilà, je me suis fait contaminer, du coup, c'est tout bénef. C'est pas grave, on va essayer d'envoyer les gens à leur responsabilité. Dans les mines. Allez, c'est parti. Ouais, je... Ouf, le bazooka. Mon pire cauchemar. Oh non, c'était tellement faible, c'est moi qui prends, qui prends les dégâts, super. Bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Ah, mais j'ai pas vu que t'avais encore un mec derrière. Là, je pense que potentiellement, t'es en avance sur la partie. T'as un coup d'avance. Il reste deux cochons. Hey mec, vise le style! Allez hop. Allez HS, c'est fait. Tenir jusqu'à 104. Allez, salut Takeshi. On arrête de frimer les bleus ciel et on refait son paco. Gardez-vous. Je sens le décalage avec toi en fait, puisque on entend ton retour légèrement décalé par rapport à la vidéo. Mais bon, c'est ça va. Donc, tu peux jouer cette ça va, c'est pas violent donc. Non, ça va. C'est largement jouable. Ouais.
Alors, du coup, le monsieur là. Tchoum. Hein. Je vais tout mourir en tout cas. Voilà, on va s'éloigner un petit peu. On va essayer de se planquer un peu là. Tu perdras un peu de temps tout à l'heure. Ma montre, cul d'oursin. Bon, ça ira, merci. Dans ta gueule. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans ta gueule, je crois. Ouais, parce que je comprends pas souvent lit, donc. Ah oui, ouais, oui, bah le problème c'est ça, c'est que les japonais sont pas très compréhensibles. Mais les allemands aussi d'ailleurs dans le jeu. Otto surtout, ouais. Enfin, un des soldats. Oui. Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Je tue à cause des blancs, frère. Non, je crois pas. Dommage. Ouais. Imagine que je t'ai pris des points de vie en plus juste derrière. Bon, bah là, de toute façon, je peux pas me healer, donc va falloir aller au front, quoi. Tant pis. Là, c'est je meurs sur une mine ou rien. Ou je glisse. Ouais. Essayer de conserver les extérieurs. Alors, les musiques sont sympas, mais tout, c'est toujours la même, ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est vrai. Bon, allez, c'est pas grave, on va tenter. Au moins pour vous montrer. Par contre, je ne peux pas plus. Ah, si, c'est bon, c'est ça. On va tu le mettre. Viser, c'est on va le mettre un peu hors terre. Pas trop, regardez, Kung Fu. Ah. Je le sens pas. Ouais. Ouais, mais ça va. C'était oh, juste. T'auras plus de vie. Et tu reprends 10. Bah ouais, mais j'ai plus de grenades, moi. C'est malin. Ouais, mais t'es sapeur. Tu dois pouvoir te healer. Ah, mais si tu heals, je te finis derrière, donc ça m'embête. Ah non, en plus, tu peux même pas te. Ah non, t'es pas sapeur. Oui, pardon, t'es sapeur. T'es... Je suis sapeur. Est-ce que j'arrive à le viser à temps? Alors je précise quand même que tu joues au clavier, moi la manette, hein, pour des raisons de... problème technique avec Parsec, donc du coup, voilà, t'as un petit désavantage, mais bon, je pense que c'est pas si grand que ça. Oh, alors l'élimination, là, ça c'est fini, quoi. Ok. Ouais, bravo. Bon, j'ai pas très bien joué, j'avoue, merci. Déjà une première. Allons au tableau des scores. Oui, c'est vrai qu'il y a le tableau des scores, parce qu'en fait, tu peux gagner la partie sans forcément la gagner, en fait. Mais je crois que tu gagnes trop de points quand tu gagnes. C'est ça. Ce qu'on va peut-être faire, on va mettre une IA et on va faire peut-être la cuvette. À moins que tu aies une map, une autre d'accord. Map meilleure à proposer. Tu me demandes si le jeu a pas crashé, par contre. C'est ce que je me dis, pourquoi l'écran reste toujours noir. Ouais, c'est largement probable. Donc c'est pas grave, on va faire run. Bah tant pis, on verra pas le score. On verra pas le score, tant pis, on va faire reset. Et on va relancer, je sais pas grave. On va juste faire start direct. Voilà, vas-y, je te laisse avancer. Bon, on a gagné la partie, enfin on a fini la partie, donc c'est bon. C'est le principal. Bon, en gros, pour vous expliquer, il y a à la fin un décompte en termes de kill, en termes de points de victoire, je crois. Et je sais pas ce qu'il y a comme paramètre d'ailleurs. Si vous tuez votre propre coéquipier, vous perdez un point. Ah oui, voilà, oui. On ajoute une IA ou pas? Ouais, pour le fun, comme ça on aura un peu d'autres personnes. Alors vas-y, on va voir les réglages quand même. Montre les réglages du coup, ce qu'on peut faire quand même. On peut donc... On a trois types de maps classiques. Voilà, donc elles sont un peu novices. Les survivants novices. Voilà, on a les experts de stratégie. Ils montrent la configuration du niveau. On montre un petit peu... De laquelle? La configuration du niveau. D'accord. On va générer par exemple, tenez. Ouais, on peut générer, ça ouais, va générer une map. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que voilà, on peut générer un peu le type de map qu'on veut comment faire. Bah, du terrain, mais en beaucoup. Comme ça, on va avoir un peu de. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais le désert, tiens, comme ça, on sera sur un univers un peu différent. Ouais, mais maximum de mines, tu mets le relief, mais un relief moyen. Il met des véhicules, comme ça on pourra voir un peu les véhicules, voilà, symétrie, on s'en fiche, non, deux jours, on peut faire. Bonus, j'en ai... Ouais, mise en plein, comme ça on découvre un petit peu les armes générées. Bon, je vais choisir. Je garde toujours la même équipe, hein. Ouais, ouais, bah je suis, vas-y, on fait comme ça. J'y arrive pas. Je change mes grades. Allez, vas-y. Vas-y.
Moi je peux rien changer, donc de toute façon. Je vais prendre les Banzai de porc, je vais prendre les. Ouais, je prends les français, tiens, vas-y. Les bleus. Les porcs francs, n'est-ce pas? On va changer le grade, enlève-moi le sniper. Vas-y, continue. Ingénieur. Parachutiste, ouais, je vais prendre deux parachutistes. D'accord, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, joueur suivant. Elia, bah, ce que je suis pas, peu importe. Je ferme les yeux. Ouais. Et ben, ça sera les Allemands. C'est les Allemands. Donc, ouais, là, ce qui est pas mal, voilà, c'est qu'on peut générer un niveau aléatoire, ce qui fait qu'on a. Ah, par contre, j'espère que le jeu a pas planté. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est le par contre, le chargement est un peu plus long. Ouais. Oui, parce qu'il génère, non, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout, par contre. Ah, c'est bon. Donc voilà, on peut gérer notre niveau, jouer ce niveau, on va faire, ouais c'est bon, comme ça, il y a un petit véhicule au milieu, ça a l'air sympa. Et donc bah, on a des niveaux aléatoires, ce qui fait qu'on peut faire une map totalement différente à chaque fois, donc ça c'est... Par contre je vois pas trop les mines là. Alors l'avantage c'est que tu peux les découvrir quand même, ils te les affichent. Heureusement. Sachant que c'est une particularité dans le mode d'une classe, hein. Il y a des classes qui ne voient pas le... ils ne voient pas les mines. En plus c'est génial, toi t'as super TNT dès le début. J'ai l'impression que tout le monde est regroupé. Oui, plutôt regroupé. Vas-y, mec, surf! Tiens, sur qui là en fait? Ah oui, sur lui, d'accord. Oui. Ah, il y avait deux personnes. Ah non, c'est parce que la caisse a explosé derrière. Okay. Non, non, c'est. Ouais, c'est ça. Alors, il y a aussi une particularité, c'est qu'on peut sortir les gens de la map. Parce que si on les sort, bah, ils explosent concrètement. S'ils n'arrivent pas à revenir, en tout cas. On va faire ça. On dirait qu'il y a un petit défaut de génération à cet endroit-là, avec les deux textures qui se, qui se dupliquent. Alors, bon, nous on est un petit peu ça tranquille. Arrive souvent, ça, ouais. On est un petit peu tranquille, mais pas tant que ça, parce que moi, genre, voilà, j'ai toutes les mines autour. Ok, donc les mines, ça va être ultra relou, j'ai l'impression. Alors, on va passer par là. Ouais, j'ai quasiment pas de temps pour aller chercher le truc. Tu restes au bord de l'eau, ouais. Ouais, à la limite. Non, on va aller chercher les gens. Jimmy, c'est des ennemis. Bon, c'est trop tard, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, de toute façon. Donc je suis comme j'ai un médic, enfin j'avais un... Ça me permettait de m'endormir. On a pas pu utiliser. Tu sais qu'on a peut-être dû mettre 60 secondes pour jouer, ça aurait peut-être pu être pratique. Bah oui, c'est vrai. Bon après, on fera peut-être ça pour la troisième. Ah ouais, le regroupement, effectivement, oh, l'IA va se faire plaisir, je pense. J'ai un 2 à moi. On va voir qu'est-ce qu'il va utiliser. Ah bah la grosse mitraillette. Ah bah, hein. La grosse mitraillette. J'ai 40 il me semble en dégâts. C'est ça. Ouais mais comme il touche une fois c'est pas très bien joué en fait. J'aurais pu se faire au moins 2, même 3. Ah c'est à moi. Ouais. Allez. Un petit coup de TNT. Hein, faire plaisir. Entre les deux. Ouais. Ah ouais bien vu. Je sais pas que je... Ouh, ouh, ouh. Ah oui, je quand même. Même pas. Ah c'était là, c'était vraiment bien joué par contre. Hein. Ça a vraiment fait du dégât Max là. Attention. Ouais ouais, c'est c'était. Alors potentiellement. Ouais, c'est les mines, les champs de mines ne changent pas de couleur. Alors oui, je tente. Il y a un joli tank là. Ouais, mais le tank il va aussi prendre des dégâts. En pleine mine quoi. Ok, c'est pas grave. Le champ de mine est là. On va donc tenter bah, une petite bombe à fragmentation. Je vais t'envoyer dans les mines, mais après je connais absolument pas l'écart qu'il faut. Si, c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal, bon, c'est bon. C'est pas la mort. Enfin, pas encore. Allez, bouge-toi, couille de loup. Oh là là, l'insulte. Par contre, lui, il est seul au monde, quoi. Ouais, oui, il est bien avantagé, en fait. Enchanté, je vais vous tuer. Alors l'avantage aussi de prendre des véhicules, c'est qu'on a le nombre de vies qui augmente d'un coup tant qu'on est dans le véhicule. Ça c'est pas mal. Même si là je prends énormément de dégâts, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ouais, j'essaie de faire attention. Hein. C'est vrai qu'elle est assez particulière, ça. Il y a des mines partout. Ouh, ouais, c'est que t'as quand même pas mal de choses, hein, Green Super Explosive. Ouais. Ça c'est une arme trop puissante.
On va voir si j'arrive à le viser. Ouais, normalement, tu... enfin, avant, je me suis rapproché un petit peu quand même, mais... Ouais, non, ça passe. Oh, parfait. Parfait, c'était le maximum. Ah, il est pas à l'eau. Dommage. Ouais, enfin, tu fais quand même 62 dégâts, hein. Je vais quand même bien viser. Pourquoi faire ta mère ? Alors... Ah, voilà. Pourquoi faire ? Je prends du mercurochrome. Bon, alors, du coup, on va faire quoi ? On va faire quoi ? Ouais, je vais quand même faire ça. Ah, tu as visé mon grenadier ? Bah, je vais essayer de me rapprocher déjà pour commencer. Je ne sais même pas où je suis arrivé d'ailleurs sur la map. Non, il faut pas aller là. Sur le champ de mine. Non, c'est bon. C'est bon. Bon. On va mettre un petit tranquillisant. Bon, ça t'a pas fait trop reculer, mais ça va faire passer un tour. Si tu tombes sur lui, bien sûr. Ah. T'imagines si on se fait battre par une IA ? C'est possible. Non, je pense pas. Il y a quand même... Bon bah voilà, je suis mort, hein. Bah lui, oui, il va mourir. Ça, t'as le choix, soit tu meurs, voilà. Soit tu t'endors, donc de toute façon... Du coup, tu laisses des... Bon, bien entendu. Oh ! Alors attention. Le saut, là, il était vraiment... Oh, en plus j'ai récupéré une super TNT. Je vais en profiter pour récupérer le petit tank. Il est mignon ce tank d'air. Il était où il y a tout à l'heure? Il était juste derrière, non, il me semble? Ah, il était là-bas. Ça, c'est toi, ça. Il était derrière, je crois. Ouais, j'aimerais pas forcément te le terminer dès le début. C'est dommage, quand même. C'est moi, ça. Par contre, il y a les Allemands, là. Ils sont vraiment bien éloignés c'est de lui. Là. Il est à moi, lui. Non. Tu veux ma montre que tu... Bon, là, on va devoir viser en biais. Ça va être magnifique. Michu a tueur né, comme dans ce film là. Ouais, bon. Il est mort là. Normalement c'est bon. Y a-t-il un formulaire pour cette arme? Ouais, en vrai je vais exploser littéralement le tank. Je vais prendre énormément de dégâts. Ah mince. Ah il m'achève. Si c'est Karadram du Nord. Ok, j'achète. En fait, personne n'aura pu utiliser la super TNT finalement. Qui est énorme, qui fait. Je pense qu'elle servira à rien. Oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à péter. Mais je crois qu'elle fait énormément de dégâts, elle doit faire 100 de dégâts, je crois. 200. Ouais. Ça aurait été mal, ça aurait été sympa dès le début du jeu, quand il y avait tout le monde qui était concentré. Même en visant tes partenaires. Bon, ça, au moins, ça aurait fait une belle carte postale. On va essayer de l'avoir de là. Oh ! Ah oui ouais. Ah oui. Il y a du niveau quand même, hein, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais franchement... Attendez vraiment pas que tu me touches, toi. Bon. Ce qu'il y a, ta mère ? J'ai un petit peu... C'était un peu de la chance, je pense. Ouais, mais bon, de toute façon, il en faut. Hein. Alors, du coup, moi, j'ai profité du fait d'avoir ça... pour aller te chercher. Ou m'envoyer dans les mines, hein, évidemment. Hein, quitte à faire... Et bien sûr, pile poil sur mon ingénieur. Alors, pas pile poil, mais je pense que je t'ai décalé légèrement ouais, sur l'eau. Alors, du coup. Je suis tranquillisant ou. Non, non, je vais pas finir. Attends, pas de pas trop reculer quand même. Nonobstant ta mère. S'il bouge la tête un petit peu à droite, bah je voilà. Suis quand même. L'équipe bleu marine gagne. Eh oui, ça. Ah, t'as encore 65 points de vie. Ouais, et puis en plus, il passe en tour. Mais pourquoi faire ta mère? Alors... C'est qui tout doublé, là? Ouais, mais j'ai sûrement fait une bêtise au dernier moment. Finalement, j'ai bien fait d'avoir pris deux parachutistes, parce que ça me permet de me déplacer, en fait, sans trop galérer. Non, je vais pas le faire, parce que c'est un petit peu... Bah, c'est pas du tout cool quoi. Alors, du coup, bah, je vais mettre. Tu peux m'achever, hein, t'as le droit. Ouais, mais disons que le coup de. Me va mourir ta mère! Eh ouais,
C'était voilà. Son nom, Ahmed 193. Bien joué, hein. Voilà. Ah bah nickel. Voilà, pour la victoire. Bon, tu vois, c'était pas mal quand même. Bon, l'IA était un petit peu inexistante. Mais... Alors, est-ce que le jeu va crasher? Je pense que oui. Crash à chaque fois, bah voilà, moi c'est tout vu. Malheureusement. Voilà, bon, c'est pas grave, de toute façon, on va faire la dernière. Alors, la dernière, le temps qu'on trouve d'ailleurs. Ouais, petit problème technique, mais bon. Voilà. Je te laisse passer à la suite. Qu'est-ce que. Bah, vas-y, je te laisse choisir la map, le mode de jeu. D'accord. Je vous propose de faire un petit deathmatch. Deathmatch? Ok, allez, ça marche, on va faire ça. On met 4 équipes. Comme ça, on met un peu d'IA. D'accord. Allez, plus on est de fou, plus on rit. Exactement. Alors, vas-y. Je fais un... Ah, tu veux... Ok. Ah, plus un cochon, ouais, pas bête. Jusqu'à 8 points. Premier arrivé en 8, ouais. Santé normale, mort subite, non. Choix cochon, non. Mais, bon, encore en 5 secondes, non, c'est bien. Et tu vas mettre quoi en map? Quelque chose d'assez divertissant, en fait. Attends, comment ça s'appelle déjà? Sens unique? Alors je me souviens plus du tout les maps, donc vas-y. Je crois que c'est une map assez sympa. Bon bah... À toi. Ok, bah, je vais prendre des francs toujours. Mince. Et je vais mettre pas un sniper, je vais mettre un deuxième encore pareil, même configuration. D'accord. Voilà, et tu vas mettre juste un tobi par contre, à la place d'un pyrotechnicien. Parfait, nickel, merci. Ouais, allez-y, de toute façon, les autres, hein, n'importe. Et apparemment, il parlerait peut-être de faire un 2. J'ai eu quelques temps, j'avais lu la rumeur comme quoi ils voulaient peut-être faire un cochon de garde, mais je sais pas si c'est un projet indépendant ou si c'est vraiment un studio. C'est un projet indépendant. D'accord. Qui sortira normalement sur PS4. Ah, pas mal ça. Et que sur PS4? Apparemment oui. Ah, alors sympa ce pop. Avec ouais. Le. On dit qu'il y a un. Il y a un... Simon au milieu. Alors là c'est l'IA hein. C'est ça. Ah mince. Thanatos, quand-il nous tient ? Ça fait mal. Alors normalement c'est 2 points par cochon tué et moins 1 par cochon perdu hein, c'est ça ? C'est ça. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont contre toi ? Je sais pas. Je sais pas, mais... Voilà. Je sors que ça va vite... Je vais vite me venger. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de... pas mal le vol statique. 20 points de vie. Raté. Là, j'ai vraiment pris cher. Ah! Mince! Ouais, c'est dommage qu'il y ait personne qui soit au milieu parce que franchement, hein, il y aurait pas mal de combos à faire avec les bigons explosifs. Ça aurait été trop facile. Ah, ça dépend. C'est ah, c'est trop court. Ouais, couille de loup. Allez, c'est parti, enfin. Ouh, la liberté. Alors, je vais mettre dans un endroit safe, c'est-à-dire juste à côté d'un bidon. Ouais, c'est cool. Ouais, non, pas du tout. En plus, ouais, je suis au mauvais endroit. Je cherche le chemin. Je ne trouverai sûrement jamais. Non, il a l'air d'être ici. Voilà, faut prendre ce qui est au milieu. Il ne servira sûrement à rien parce que j'aurai pas le temps d'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Ok, où sont les ennemis? Il y a un verre ici, juste derrière. Tiens, voilà du moulin. Ok, donc là on va se balader sur la map. Alors il y en a un là. Oh, j'ai loupé! Bon, ben dommage. Ah, c'est dommage, il y en avait deux d'un coup. Pour l'instant, l'IA se comporte mieux que nous. Oui. Après, l'IA est souvent. L'IA elle prend jamais de risques en fait, c'est-à-dire qu'elle prend toujours les mêmes armes.
et prends pas de missiles téléguidés, ce genre de choses par exemple. J'ai jamais utilisé l'IA. Si, si, je les ai vus quelques fois. En multijoueur? Ou sur le. Ah bon, moi j'ai jamais entendu du bol, je suis jamais tombé dessus. Bon, voilà, je suis. Enfin, c'est hein. Surtout c'est qui récupère les bonus, quoi. Oh mince. Et voilà, premier kill de la partie, du coup les verts qui vont prendre 2 points. Je suis fier de vous, les verts! C'est des vrais criminels de guerre! Je suis un ex-noir. J'aime bien lui. Malcolm. Alors du coup, c'est à toi de jouer. Bah désolé Kim, hein, écoute. Ah non, vas-y, vas-y, c'est le jeu, hein, y'a pas de quartier. Et voilà, je persécute à mon tour. Et donc vas-y, du coup, bon, pour ceux qui suivent pas forcément l'actualité. Du coup, toi, tu vas faire du coup un mini tournoi avec des étrangers sur le jeu. C'est ça, un petit tournoi des cochons de guerre qui aura lieu entre le 30 et le 31 mai. Et du coup, il y aura combien de joueurs vous êtes? Alors, on est 8 joueurs. Mais si ce petit tournoi marche, on pourra étendre jusqu'à plusieurs. Donc, avis aux intéressés et aux fans des cochons de guerre. Et du coup, tu joues contre quel pays? Je jouerai contre un joueur polonais. Pour le premier tour. C'est ça. Alors, c'est tour, c'est jusqu'au la finale ou c'est en nombre de points façon championnat de foot? C'est façon championnat de foot. Le vainqueur passe au tour suivant. Non, justement, du coup, c'est pas championnat de foot, c'est tournoi coupe, quoi. Attends, j'ai plus suivi, désolé. Ouais, parce que quand je joue pas de foot, en fait, c'est en gros c'est celui qui a plus de points à la fin, quoi, sauf face à tout le monde qui gagne. Ouais, ouais, c'est ça. Seigneur, donne-moi la force. Alors, j'ai pas trop regardé le score du coup, mais il y a eu des morts. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Elle est bidon pour l'instant, vu qu'il y a personne autour, c'est pas trop intéressant. Bah, personne ne veut prendre de risques, même moi. Moi j'ai pris tout à l'heure, ça m'a pas servi à grand chose, mais bon. Toi, je vais te bénir. Ah, dommage. Moi, dommage. Le tir n'était pas assez fort. Double shot, alors lui il est où? Alors on est Emilio. Bon, j'ai fait la bêtise de faire trop près, donc je trouve que c'est même moi qui ai prendre le plus de dégâts que toi. Ah oui, regardez les gars. Qu'est-ce qu'il super fait, l'IA. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, il est allé se suicider, c'est magnifique. Bon, j'étais déjà à 0, donc ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, du coup, c'est l'IA hein, qui mène à 4 points. C'est ça. Ouais, je sais pas ça fait l'IA, mais du coup... Du coup, voilà, bon, c'est pas pour personne en fait, hein, puisque c'est moi qui me suis suicidé. TNT... Ouais, un TNT, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il va l'utiliser, surtout? Parce qu'après, ils ont beau prendre des trucs, l'IA... Ouais, voilà. Il est trop loin. Et même, peut-être, ça se trouve, même prendre le... L'arbre. Ah, si, quand même. Il m'a eu quand même, hein. J'ai déjà ce qu'il va faire, ouais. C'est très. C'est trop prévisible. Oui, oui, quand ils sont à côté, de toute façon. D'ailleurs, il faut jouer avec ça dans certaines missions. Il faut être à côté d'un. Ok, j'achète. Être à côté d'une IA, parce que ça l'oblige à faire ça plutôt qu'à attaquer à notre cochon plus loin. T'as d'ailleurs petite question, quand tu fais tes vidéos, t'avais la soluce du jeu ou t'as retravaillé les missions en boucle jusqu'à avoir le meilleur rendu final? Quand tu fais tes missions en boucle. Non, il m'arrive parfois de refaire quelques missions en boucle quand j'ai un soldat tué par exemple. Mais oui, pour avoir tout sinon pour le reste, j'arrive à faire ça du premier coup. D'accord. Parce que
moi, de souvenir, j'avais dû regarder une soluce à l'époque. Enfin, ouais, je sais pas si c'est un bouquin ou si c'est sur internet, je me souviens. Parce qu'ils disaient en fait où se trouvaient toutes les. Ah ben voilà, encore une fois, hein. Super, je suis encore mort. Il dit où, comment trouver toutes les médailles en fait. Donc, bon, je m'en souviens pas, ça fait longtemps, mais. En fait, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre à l'époque comment récupérer. Surtout dans les missions où. Où on avait un laps de temps très très limité. Et oui, parce que franchement, il y en a un, il faut casser des choses, mais on le sait pas forcément en fait. Il le dit un petit peu dans le briefing, enfin sans doute dans le briefing, mais. Oh merde, c'est vrai! C'est pas forcément évident. Allez, les deux premiers points. Ouais, mais. Pourvu que ça dure. On va voir. Oh non, je pense pas en fait. Nous sommes des plus contre Kim. Vous, la première. Bah c'est ça en fait, parce que du coup j'ai. Ah oui, en plus j'ai deux à côté, mais c'est parfait, c'est bien. Oui, en plus j'ai pris le non, max. C'est bon. Quoi max que... Non, c'est bon. Non, ça, je suis pas mort, mais bon. Voilà, il suffira de faire la suite. En tout cas, il m'aime bien. Je sens que Liam adore. La preuve. Télé-Bankuru. Dans le positionnement quête 2, là, pas super efficace. Je me suis fait dépigmenter. Ouais, non. Ah, tu veux m'achever, hein, si tu veux. T'as un kill gratuit à gauche, tu veux. Bon, tu me diras, tu veux aussi faire un kill avec lui. Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait trop de points non plus. Calcul au centimètre près. Nous sommes égaux, donc crève. Allez. Et je parie que ça va faire bouger un petit peu loin. Ah, dommage. Mais là, t'es relou, toi, ta mère. Oh, on va se calmer là. Alors, c'est insulté, c'est magnifique. Bon, hop. On va faire deux pour le prix d'un. Pour le prochain qui va vouloir me tuer. Fais gaffe à ton partenaire, hein. Ouais, je sais. C'est un tranquillisant, hein, écoute. Bon. C'est pas quelque chose. Ah, je me suis trompé! Je me suis trompé! Ah, du coup, je suis mort, donc je vais perdre un point, et en plus, je vais. Ah, la bourde! Ah oui, je suis. Un point! Et oui, j'ai pas la seringue en fait, je pense. J'ai confondu. Non, c'est disponible qu'en solo. Ok, bon, là, c'est un bonus collectif, c'est magnifique. Et en plus, Liam, moi, chef, quoi, c'est parfait. Et va se louper, non. Bien, ils sont forts en général. Bon, c'est bien, il va avoir un kill dans un tour. Là aussi. Ok. Ok. On va 0 points. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose de ma vie. Hein. Bon, par contre, je passe derrière. Oui. Amour, les mécréants. Ah, tu veux m'acheter en bas si tu veux. Ça changera rien. Poussière tu étais, poussière tu retourneras. Alors. Complètement raté. T'as anticipé le fait que ça allait pas marcher. Je suis P4. Alors, réformer P4 pour l'équipe dernière, bah écoute, pourquoi pas. Je vais chercher les petits items quand même au fond. On va voir ce qu'il y a. Balance pocket x2, c'est super magnifique. Alors. En plus, je peux pas revenir. C'est génial! T'as un jetpack? Ouais, oui, c'est pas faux. Voilà, ça c'est mon petit cadeau de bienvenue. Voilà. Allez, bouge. Voilà, hop, on vise. Excuse mon frère, je suis obligé. Je suis un peu proche de lui, mais bon, ça devrait aller. Ouais, t'es obligé. J'ai pas réussi à l'achever. Il a pris un jackpack dans la tronche, des pieds dans la tronche et un round rocket, il est toujours là. Par contre, lui, il va se planter. Ah non. Non. Je vais prendre l'arme. Ça aurait pu, hein.
À ces moments, je détestais en multijoueur avec l'IA, c'était le temps de tente sur les... sur les jetpacks, c'était vraiment insupportable. Oh vas-y, essaie de me tuer, vas-y, essaie de me tuer, là, tue le... Oh, dommage. Quelle déception. Ah, il était pas con. Bon, t'es encore mort, il reste encore 20 points, non? 20... 30, je crois. Ouais, 30. Je sais plus. Toi, ça va être serré avec l'IA, hein, pour le moment. C'est bien, il y a un peu de suspense. Ah, j'allais dire, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah oui. Gagner. Alors, je pense qu'à 1,5 cm d'écart, il prenait les dégâts de chute, mais bon, enfin les dégâts du jetpack. Et il prend même pas, la caisse, hein. Ah, il s'est... Oh bah bravo. Ah, c'est parfait. Et j'aime gagner. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, ce qui est bien, c'est que l'IA fait quand même des bêtises, elle est pas ultra prévisible. Je me souviens dans les Worms World Party, même dans les Armageddon, quand c'était au niveau maximal, en général, il ratait rien. Allez, quitte pile ou face. Bravo, oui. Effectivement. Je ne suis pas mort. Mais ça va pas tarder. Mais bientôt. Oh, il est tellement tentant, lui. J'ai envie de me suicider. Bon, on n'aura pas suicidé, on va juste envoyer. Alors, attention quand même à l'or, hein. Toujours. Voilà. Fils de truie. Je pense qu'on est bon. Ouais. Voilà, l'insulte qui va avec. Et il est mort. 2 points. Ouais! On passe avant-dernier ou sous le podium, en même temps, 3 sur 4. Après, ouais, les gris, il suffit que tu touches un bleu ou que tu tues un bleu ou un vert et il y en a deux qui retombent. Si ce n'est pas vous, c'est moi. Ah bah voilà. Ah, c'est le bleu qui va prendre. Ah mince, je croyais qu'il allait toucher le dirigeable. Ah, raciste. Ouais, je confirme. Ah, il a touché le dirigeable. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo du mec qui avait réussi à prendre sur le dirigeable ou contrôler le dirigeable. Ouais, au début, j'y croyais pas du tout. Moi. Ouais, mais en fait, si. Ah, par contre, c'est toujours à prendre. Et boum! Double kill. Non, toi, t'es à 70, donc c'est bon. Moi, je vais mourir, non? Non, c'est bon. Ah, ok. Je suis un ex-noir. Ah, c'est dommage que t'aies pas pris demi aussi chez les GI. Oh bah là, qui est tout fait. Ah, ça va pas prendre des dégâts quand même. Sur un plateau, hein. Je tue à cause des blancs, frère. Ah, non, j'ai pas. Non, c'est bon. It's my turn. Ouais. Yes. Non. Ah, si. On arrête de frimer les bleus, c'est quand même serré, hein. 5-4-2-0. Ouais, il y a que les Allemands qui sont à la ramasse. Qui a ta mère? Ouais, ou moi, il y a quelques temps, quoi, mais. Alors, tir 63, je peux me guérir. On va aller chercher faire du point. On va essayer de voir un peu là-bas comment ça se passe. Ouais, voilà, je pense que c'est pas grave. Ah bah, ça c'est qui? C'est un Allemand. Ouais, je pense que si je fais ça, je peux le mettre dans l'eau. Et tant qu'il ressorte, c'est bon. Ouais, ça peut marcher. Bon. On va le mettre vers là, vers le bas. Allez. Mais va mourir ta mère! Ouais, ça parfait, marche. Bien vu. C'est le kill terminé. Attends, mais elle est assez horrible à utiliser, mais bon. J'ai pas mal de points. Ouais, j'aime pas, je suis pas du tout fan de cette arme. Ok, bon, au moins il tue un sniper. Le bonheur. Bon, il part typiquement en allemand, donc j'ai rien compris. L'English. Ça rend coup pour coup. Et voilà. Ah là là, très beau match entre l'Allemagne et c'est les Anglais, ouais. Et les Anglais. L'Angleterre, ouais. Bon, allez. Oui, bah tu vois, je fais les deux. On sort de payer en un.
poste est touché les deux, évidemment. Ah non, mais tu vas pas faire le Grim Schnapple, tu vas envoyer juste le... Ouais. Oh bah oui, oh bah, ils auront bien vu, double kill. Et du coup, tu gagnes, hein. En 4 points. Attends, il y a quelqu'un à côté. Mourir est un accident du travail. Eh, c'est moi, je vais faire un triple kill. Oh bon, voilà. Ah, bon finish, ah, franchement. Le ciel veut être les maîtres du monde. Ah, tu gagnes sur, sur le meilleur coup de la partie, c'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était les c'était cochons sympa, de guerre hein. En multi. Ouais, c'était très sympa du coup. Donc, si vous voulez jouer, bah voilà, les cochons de guerre sur PlayStation et sur PC aussi, si vous avez à faire tourner le jeu sans problème. Bah merci Gouston, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Kim, à bientôt. Et à la prochaine.